Et bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui, je pense que je vais me faire une petite balade. Quand je dis petite balade, déjà il faut que je rende le trophée, dites donc. Balade, balade, c'est bien gentil tout ça, mais. Alors attendez, déjà je vais rendre ce trophée. Il va falloir que je fasse à pied parce que je n'ai pas mis de. Je n'ai tout simplement pas encore mis de portail directement. Je suis au bon endroit? Oui, je suis au bon endroit. À la zone des trophées. De toute façon, c'est pas bien loin. Je vais faire ça vite fait. Ah oui, c'est vrai que j'ai aussi ici des ruches. Et qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'ils ont fait quelque chose ici? Non, ils servent à rien. Je crois que je vais les tuer et puis je vais. J'ai bousillé cette cabane là qui me. Voilà, qui me fait honte quand même. Allez, on monte tout ça. Et en fait, donc j'avais pour idée de prendre le bateau et puis de chercher une île avec une montagne qui soit assez plaisante. Le temps que. Voilà, que les potions de protection pour le givre se fassent. Car ça doit prendre 3 ou 4 jours, je crois, et là il n'y a qu'une seule journée qui est passée, enfin qu'une seule nuit en tout cas. Ah bah tiens, sanglier, je dis jamais non. Hop. J'ai bien servi, c'est bon. Dis donc, j'allais oublier quand même de rendre ce trophée, c'est quand même dingue. Ok. Donc pour ça, il va falloir que je me fasse un nouveau portail. Ce sera le numéro 5. Et que je prenne de quoi m'en fabriquer un deuxième, évidemment. Je devrais prendre aussi un petit peu de bois pendant que j'y suis. Et le prochain sera modder. Est-ce que c'est quoi? C'est ça? Non, c'est pas ça. Ah mais Mistland, il est déjà frais là? Il est déjà disponible ou quoi? Apparemment il y a eu de la mise à jour, ça c'est certain, mais pas sûr que Mistland je puisse l'avoir. Déchu sacrifié. Bon. Non, je retourne là-bas. Mais c'est vrai que je devrais quand même me faire. Tiens, je vais peut-être en avoir 10. Je devrais me faire un portail ici. Au lieu de me faire tout ce chemin à pied. Comme ça. J'ai mes 10. Et je pourrais me fabriquer une table de fabrication assez rapidement. Au cas où je devrais réparer le bateau. Un nouveau sanglier. Des champignons. C'est bon. 37 résines. Est-ce que j'arriverai à le choper? Ouais. Meurs. Ok. Est-ce qu'on aurait des choses à ramener? Oui, un petit peu. Ça, ce serait pour ragoût. Et puis, bah tiens.
On va prendre ça et ça. Donc j'aurais bien voulu partir de là où je viens. Mais le bateau, malheureusement, je l'ai déplacé, donc tant pis. Mais c'est pas grave, on partira d'ici. Ou plutôt, c'était de là où. Ah, c'est un peu plus embêtant, mais bon, tant pis. Alors, on avait de la pierre. On avait... Ça va en haut, ça va en bas, ça aussi, ça en haut. Avec ça. Ok. Ah non, mais non. On va prendre juste ce qu'il faut. Ensuite, donc pour me faire un portail, c'était 10 22. Donc 40. Et 4. Ok, ça c'est bon. Je vais quand même me remettre en forme. Et puis je vais stocker également un petit peu tout ça. Ça aussi. Et ça également. Là, je suis déjà à fond. Ok, je vais attendre juste que la nourriture se fasse. 3-3-3. Bon, ça suffira pour l'exploration. Ah non, bah non. Non, c'est pas celui-là. Mais le bateau, j'ai... Mais non, mais je suis bête. Le bateau, j'ai ramené ici. Allez. On va partir de là, puis on va redescendre et on va longer pour aller là-bas. Pour repartir à l'est. Ok. Le bateau a besoin de réparation. Le vent ne va pas nous aider, évidemment. Peut-être un petit peu pour le départ. Ouais, ça reste encore assez moche là, comme ça. Hein. Ce que j'ai fait en pierre la dernière fois. Ah bah oui, je pars, le vent change de sens. Allez mon saillon, c'est parti! Le vent change encore de sens. Je t'ai bien eu, parce que moi je vais là-bas finalement. Bon, alors en tout cas une chose est sûre, c'est qu'avant je n'avais pas du tout de la difficulté. Tiens, derrière moi, il y a des montagnes là. Hop, 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 hop. J'ai besoin d'aller bien loin, au final. Ah, la grosse montagne là-bas.
Ah oui, mais il y avait des plaines. Va falloir que j'installe quelque chose, un avant-poste ici. Car sur cette île, je n'ai pas fait du tout d'avant-poste. Grande plaine plus montagne là-bas. Par contre, va falloir que... Oui, il va falloir voir si on peut joindre la montagne directement par... Par la forêt noire, je l'espère. Après, c'est pas forcément bien grand, mais... Comment dire? Ça me paraît bien haut, en tout cas. Bah, je crois qu'on va s'installer juste en face. Bah, tiens, on va tester le troll là. Avec les flèches en fer. Alors, si j'arrive bien sûr à viser. Ok, je sais pas combien de fois j'ai touché. Les objets ne flottent pas, donc c'est tombé, bon c'est pas grave. Que ça reste au fond de l'eau. Allez, ici ça me paraît très bien pour un avant-poste. Hop. Je vais avoir besoin de bois. Maintenant que j'ai monté mon... ma hache au niveau 3. Bon, comme ça au moins il n'y a pas besoin de faire une grande visite. Enfin, une grande exploration. Je devrais pouvoir trouver ce qu'il me faut dans cette montagne. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que... Ouais, allez, vas-y. De toute façon, il faudra un petit peu de place. J'espère qu'il va juste pas casser mon bateau. Ok. Les 73, on va voir ce qu'on peut faire. On va faire ça ici. Voilà, ça c'est parfait. Le point le plus haut là. Dieu.
Ouais, j'en ai pas assez de bois. Il en reste plus que 7. Allez, je vais chercher le reste. On va prendre plutôt du sapin directement. Ça devrait aller. C'était quoi ça? C'était ce genre de choses qu'il fallait mettre. On dirait bien. Allez, encore un petit peu de bois, pas grand chose. Avant qu'il fasse nuit, si possible. Qu'est-ce qu'on a là? On a ça. J'aimerais bien partir un petit peu en exploration là. Est-ce que ce sera suffisant? Parfait. Ensuite, ceci. Je vais mettre ici. Super, on va mettre là. On nomme 5. Et puis c'est parfait. Alors ici, avant-poste. Numéro 5. Oh là là, j'ai besoin de manger aussi, dis donc. Pique à 25. Je vais dormir un petit peu, puis je vais reprendre un petit peu de nourriture. Je vais découvrir quelque chose, tant mieux. Parfait. Je pourrais réparer ça. Allez, une nouvelle journée comme... Mais j'ai même pas mangé, mais quel con, quel abruti. Ah, mais je te jure. Ça me fait assez... Ouais, je... Enfin, bon, bref. Allez, je suis fatigué, c'est pas grave. Je devrais me faire un petit verre de vin, tiens.
Ça va peut-être m'aider. Un bon rouge là qu'il me reste. Un fond de bouteille. À boire avec modération surtout. Ne jamais en abuser. Deux bouteilles par soir, les médecins le conseillent. Alors, déjà, ça se trouvait de ce côté, du coup, là, je vais changer cette place. Et je vais le mettre... On va pas le mettre en haut. Bon, bah écoute, on va le mettre ici, hein. Ça. Qui c'est qui tape comme un couillon là-bas derrière? Les navets sont prêts d'ailleurs. Ah, c'est là-bas. Un squelette. Un squelette qui veut se faire un cerf. Qu'il se fasse plaisir, c'est pas un problème. Allez, cette fois-ci c'est la bonne, on part en exploration. C'était ici. C'est tout indiqué, c'est parfait. Donc la montagne, ça se situe par là-bas, on va aller voir dans cette direction directement. En tout cas, ça monte déjà. Il n'y a pas de coffre, ça ne m'intéresse pas. Bah en fait, hop, ouvre les tirs direct. Oui, il y a de la montagne, c'est pas forcément super grand. On doit passer par la plaine, ça j'aime pas beaucoup. Ouais, je crois que c'est obligatoire. Hein. Bon, pire, il y a un petit passage, donc bon, allez, on peut toujours faire ça. Je pourrais tenter de me faire aussi là les bêtes, là, les grosses bêtes, pour me faire leur fourrure. Mais je n'ai pas tout pour faire leur cap, il me semble. Il me faut encore d'autres choses. Ouais, un moustique, on va l'éviter. Ouais, donc en fait, ouais, ça c'est dommage, vraiment. De passer obligatoirement par les plaines. Sinon, il faudrait voir de l'autre côté. Enfin, de l'autre côté de l'île. Oh là là, c'est pénible. Il n'y a que de la plaine. Ah ouais, puis ça rejoint là-bas, ok, ouais. Ça, bon, il y a un moustique à mes trousses. Saloperie. J'ai quand même eu, mais ça, j'ai quand même résisté. En même temps, c'est normal, je commence à avoir un stuff correct. En tout cas, pour un moustique seul. Coffre, on prend tout.
Mais bon, je dois bien avouer que je n'aime pas beaucoup ça de passer à la montagne par les plaines. Mais alors, je n'aime pas ça du tout. Pourquoi? Tout simplement parce que si à un moment donné je meurs, il va falloir passer par les plaines à poil, quoi. Et ça, je le sens jamais vraiment très bien. Silex. Non, je vais tout garder. Bon, en tout cas, j'aurais tout longé. On sait que c'est de la plaine de là à là. Une zone que je pourrais également fouiller une fois que j'aurai terminé Mother. En fait, là, c'est pas bien grand. Mais en tout cas, c'est que de la forêt noire, ou quasiment, avec un petit morceau de. Avec un petit morceau de marécage. Ah, je pensais que c'était deux donjons là-bas. C'en est qu'un seul. On va quand même l'indiquer. Le donjon, je pense que c'est celui-là. Parce qu'il n'y en a pas d'autre de donjon là-bas. Ou bien. Si, il doit y en avoir un autre. Non, il n'y en a pas. J'ai juste mal indiqué. Écoute, tu tenais de te faire tuer, te promener comme ça vers moi. Bien que je n'ai rien. Ou presque rien pour te prendre. Si, allez, vas-y. Hop. Et les marécages. Je me demande aussi si c'est une grande zone ou pas. Bon, là, j'ai plus le pouvoir de Aether. Mais c'est pas grave. Après avoir fouillé les marécages, mais là, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. En tout cas, pas actuellement. Mais juste l'insigne, je changerai après. Bon, c'est un petit peu plus grand que je pensais.
Mais qu'est-ce qu'on va récupérer encore là-bas? On va acheter ça. Eh ben, ça court un peu de temps. Alors évidemment, je ne fouille pas la zone de montagne tout simplement parce que je n'ai pas encore la résistance au givre. Et je ne vais pas prendre le risque d'y faire un tour comme ça. Un bâtiment de squelette, ça va. Enfin, je crois. Ah ouais. Ça se bat, c'est que c'est des squelettes. Bon, ici il n'y avait pas grand chose à fouiller, c'est pas grave. Par contre, je me demande si je devrais pas prendre à un moment donné le bateau et puis de me diriger un petit peu plus au nord et voir si on peut récupérer la montagne par là-bas. Je pense que ça, ouais, ça me paraît tout à fait faisable. Quelle heure il est? Ouais. À voir. En tout cas, moi je vous le dis, pour le prochain épisode, là ça va être intéressant parce que je vais passer en montagne et je vais me faire des loups et des loups. Je vais les traquer cette fois-ci. Pour changer, ce n'est pas eux qui traqueront, qui me traqueront à ma base. Voilà, j'ai pas fouillé, ça sert à rien. Voilà, j'ai pas assez de place. Je n'avais pas assez de place pour prendre les myrtilles. Toujours pour Chardon, par contre. Mais je ne pense pas que je vais faire ça maintenant. En tout cas, je sais que par ici, donc, je vais mettre à peu près par là, je vais mettre montagne. Et ce sera la prochaine visite. Et on aura pas mal de nouveautés à reprendre. Ok, bon, je vais ranger tout ça. À part ça ici, qu'est-ce que je pourrais faire? Bon, je pourrais peaufiner un petit peu là ce que j'ai construit la dernière fois pour le port, parce que c'est pas franchement très très propre. J'ai vraiment fait ça à l'arrache. Mais je me demande si on va être tranquille maintenant ici. Alors ça, j'ai pas. Non, ça, ça va pas là. Ça va ici. Ça également. Ça, c'est dans le coin. D'accord. Ah, et puis ça. Et puis ça également. Est-ce que je peux montrer ça? On va mettre ça là. Ça, ça se range également. Et c'est tout bon, il me semble. Hein. Ouais, la poudre sœur, c'est là aussi. Poudre sœur, là-bas.
champignons. Là. Pour les plantes ici. Ça ici. Non, pas ici. Ici. Mais il n'y a plus de place. Je vais prendre le poisson. Et le poisson, on va le mettre. Mon dieu, on va le mettre là en attendant. Ça ira très bien. Là, j'avais dit que j'avais plus de place. Oh là là, c'est pénible. Bon, je sais pas. Je vais voir ça la prochaine fois. Donc, ok, je vais vite monter 10 bois. Hop, je vais vite ranger ça également. J'aurais peut-être pu prendre un petit peu plus que 10 bois du coup, parce que là... Où est-ce que je le pose? On va le mettre ici. On va mettre... Qu'est-ce que ça fout là, ça? Pas normal tout ça. Ok, et j'avais pris quelque chose, j'ai complètement zappé de ce que j'en avais fait. Je sais plus. Bon, c'est pas grave, il est quelle heure? Bon, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo courte, je pense. Je sais où est-ce qu'il faut que j'aille, à part ça, j'ai pas grand chose à faire pour le moment. Tout ce que j'ai à faire ici, c'est attendre que la fermentation... Ah bah voilà. Bon, est-ce que je vais faire une petite visite à la montagne? Je pense qu'on va aller faire une petite visite, on va tenter ça. Ça craint un petit peu quand même, hein, mais on va le tenter. Allez, deux, ce sera suffisant. Le poisson, ça on va remettre en bas. Ou alors je pourrais aussi construire des coffres un petit peu plus gros. Des coffres en fer là, enfin bois et fer. Bois et renforcement de fer pour être précis. Mais je sais pas, je pense pas que ce soit une bonne idée en fait que j'y aille immédiatement parce que je suis un petit peu fatigué là. Et j'aimerais bien me reposer quand même. Donc ce que je vais faire... Déjà, c'est ça, tout simplement réparé. Comme ça, elle est tout beau, tout propre, c'est nickel. Avec un magnifique coucher de soleil. Un petit peu bizarre, coucher de soleil, mais... Oh là là, je suis coincé. Allez, hop. Parfait. Bon. Pour la deuxième fois, en tout cas, depuis un petit peu la semaine passée, c'est un épisode qui n'est pas super intéressant non plus. Mais je devais quand même passer par là pour installer l'avant-poste, pour installer le portail et pour que je puisse aller directement en montagne. Le seul truc que je me demande, c'est vraiment si là-bas derrière, il y aura pas un autre accès. Ça reste à voir. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao !